un marché nuit un peu spécial ce soir, puisqu'on est sur l'unité dionysienne. Qu'il soit indien, chinois, ou des autres cultures de l'océan Indien. Malgré nos différences, samedi dernier, Saint-Denis vibrait comme une seule famille. Consciente que le vivre ensemble se construit, la ville organisait une très grande fête où l'on danse, mange et fête ensemble toutes nos richesses. Un petit thé ? Ah, moi je veux bien, si c'est un petit alors, thé, un je thé vert, bonsoir. Un thé vert ou quand t'as un gingembre citron ? C'est bon, c'est excellent. Il y a beaucoup de choses. J'ai pas ses yeux pour garder. Je commence là. Je cœur gros comme ça, plein de bonheur. Pas besoin de prendre l'avion. T'as pas besoin de prendre l'avion, tu viens ici. Parce qu'on est arrivé en 5785 il y a deux jours, au nom de la communauté juive, et on se souhaite une année douce et sucrée comme la pomme qu'on trempe dans le miel. Fond d'exister de cette fête de l'unité, elle sert à ça, à unir les gens. Si moi je connais votre culture, vous connaissez la mienne, il y a un respect qui se crée. On veut que les gens soient bien, qu'on forme un seul. On vient chercher le bonheur. Vous connaissez la diversité de la Réunion ? Mais je savais pas qu'il y avait autant de pays différents comme ça. De grandes surprises pour de nouveaux liens et un autre regard. Avec vous, Saint-Denis veut construire cette belle famille dionysienne. Un grand défi commun, à la hauteur de tout ce que nous pouvons accomplir, tous ensemble. Très bien, venez tous, on aime beaucoup. Venez tous même si c'est déjà passé.